la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce mois de septembre 1958, Ruben Oumyobé, le principal leader indépendantiste camerounais, première personnalité politique à revendiquer l'indépendance à l'Assemblée générale des Nations unies dès 1952, se cache dans son maquis dans la région Bassa dont il est originaire. La tête de celui que l'on a surnommé Mpodol, qui signifie « celui qui porte la parole des siens », a été mise à prix par l'autorité coloniale qui a lancé ses soldats d'origine diverse à ses doses. Dans son maquis, où il bénéficie du soutien des siens, il est accompagné de sa compagne de clandestinité, Marie Gondjok Yebga, de son jeune fils de 16 mois, Daniel, de sa belle-mère, de son collaborateur et de Mbombok Théodore Maïmati. Après plusieurs mois de traque, la situation est de plus en plus difficile à vivre. Ils campent dans des abris fournis par quelques soutiens qui prennent de fait le risque d'être exécutés. Situation particulièrement difficile pour sa femme et son enfant. Des récompenses ont même été promises à toute personne pouvant fournir des informations pour le localiser ou l'arrêter. Chaque jour, avec les collaborateurs, il faut élaborer des stratégies nouvelles pour échapper à cette soldatesque coloniale qui les traque. Seulement, le danger est désormais à l'intérieur même de son équipe. L'un de ses collaborateurs, cédant à la pression et aux promesses faites, va donner sa localisation. Ce samedi 13 septembre 1958, Ruben Oumyobé se cache dans la forêt de Libelingoy à Boumyebel. La section de Libelingoy est dans la forêt. Les troupes avancent avec la détermination de ceux qui ont envie d'en finir avec ces Toumyobé pour quitter la forêt et ses moustiques, ses serpents, ses insectes et ses pluies. Oumyobé attend toujours le contact qui va leur permettre de rejoindre le prochain maquis. En attendant, il discute avec ses collaborateurs. Puis, curieusement, à ce moment précis, délicat, d'un coup, Théodore Maïmatib se retire et dit vouloir satisfaire un besoin naturel. À peine a-t-il tourné le dos qu'une horde de militaires surgit de la forêt. C'est la débandade sous les rafales de mitraillettes. Yembak et la mère de Ngorut, la mère de la femme du leader de l'UPC, tombent les premiers. Puis le cuisinier est à son tour fauché par une autre salve. La jeune mère, la compagne du leader, saute avec son bébé dans la végétation. On ne sait pas si elle a survécu, mais les hurlements du bébé qu'elle porte laissent penser que lui est peut-être touché. Il n'est pas mort, mais il est certainement blessé. Mais le silence qui suit laisse perplexe. Pourquoi s'est-il arrêté d'un coup de pleurer? Pendant ce temps, Oumyobé fait face à ses assaillants. Un court instant. Puis devant les hésitations, la surprise de son vis-à-vis,
qui manifestement pense à tout le mythe qui entoure le personnage, que l'on dit blindé contre les balles et invincible, il prend à son tour la fuite. Mais un sous-officier de la coloniale, un Sara du Tchad, lâche une rafale de sa sterne sur le leader nationaliste qui s'effondre. Oumyoubé est mort. La fusillade n'a duré qu'un court instant. Seul Théodore Mahi Matip a échappé à cette tuerie, avec bien sûr sa femme et Daniel, le bébé de 16 mois, atteint d'une balle. Théodore Mahi Matip, lui, a curieusement échappé à cette tuerie. Les dépouilles du leader nationaliste et son collaborateur, celle de sa belle-mère, vont être traînées jusqu'au village. Ils y arrivent défigurés, ensanglantés, presque méconnaissables. Le colonel Lamberton, fier de sa prise, les expose et invite la population à venir reconnaître, à venir voir les trois cadavres. Il s'agit de faire peur. L'homme qu'on pensait invincible est tombé. Son corps est profané par ses ennemis. Le colonel Lamberton ne va pas résister à l'envie de se filmer devant ses corps défigurés et étendus dans l'herbe. Pour en finir définitivement avec la peur de voir les corps revenir à la vie, on va couler le corps du leader nationaliste dans le béton, dans un cimetière de Seka où de nombreux gardes resteront par la suite autour de la sépulture par crainte de le voir revenir d'entre les morts. 16 mois après ces assassinats, le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Théodore Mahi Matip, l'ancien secrétaire administratif de l'UPC, qui a miraculeusement échappé à la fusillade qui a coûté la vie à Ruben Oumyoubé, rejoint le régime colonial et est fait premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le salaire de la trahison ? Question. Pendant plusieurs décennies, le nom de Ruben Oumyoubé est banni dans le pays. Il faudra attendre 1990, à la faveur du vent de démocratie qui souffle sur le continent, pour que l'ensemble de la classe politique reconnaisse enfin le rôle clé qu'il a joué dans l'accession de son pays à l'indépendance. Il restera pour l'histoire l'un des plus grands nationalistes africains, et pour le Cameroun, le principal.